Bon bah c'est ça, hein. Aujourd'hui c'est le marathon vidéo, c'est mon jour de repos et du coup bah j'ai fait plusieurs vidéos puis là j'ai pas surveillé ma batterie et j'étais en train de vous dire que je suis en train de chercher un petit quelque chose pour mettre sur ma carte à ce niveau-là. Ici j'ai envie de coller un petit truc là parce que je trouve que il manque un petit sentiment. Mais je voudrais pas quelque chose de trop gros en fait. Je ne sais pas. Il y a plein de trucs mignons, mais en fait, moi, je suis toujours indécise. Ça, c'est compliqué. Je vois des choses. Ah, peut-être là, dans les trucs qui sont déjà entamés. Hop, là, il n'y a pas de mots, bien évidemment. Là, il n'y a pas de mots non plus. Et là non plus. Bon, on repart. Ah, j'avais peut-être. Oh, j'ai mis ça où? Des mots dans la collection. Voilà, dans la collection que j'avais acheté. Ça pourrait le faire, ça. Ah ouais, mais il faut que je découpe. Oh, j'ai pas envie de découper ça, c'est chiant. Non, non, je vais trouver autre chose. Je vais trouver autre chose. Vous avez le temps, hein? Voilà, ça va. Vous ennuyez pas? Je suis en train de faire mon petit truc. Hop, hop, hop. Là. Voilà, je savais bien. Je savais bien. Là, je devrais trouver quelque chose. Ah, j'ai toujours pas fait mes. Parce que je voulais faire. Je voulais le scanner, ça. J'ai toujours pas scanné ça. Bon, ça, non, ça, là peut-être. Alors, un petit mot là, ça va. Boîte à bonheur, c'est pas mal ça. Une douce odeur à l'infini. C'est ça l'amour, bien au chaud ensemble. Sur les promenades. Ah, promenade, il est pas mal, il est orange en plus. Il y a marqué quoi derrière? Halloween. Ouais, bah moi, Halloween, je vais pas le faire. Donc, ça me dérange pas. Allez hop. Promenade. Ouais, j'ai mes ciseaux qui font 3 km de long pour découper juste un petit mot comme ça. Bon, je crois que je vais être obligée de couper jusqu'en bas. Voilà. Pour pouvoir bien couper ici. Voilà. Allez, hop, ça va là. Ouais, c'est pas mal. Vous voyez les sequins, j'en ai pas mis trop et je me dis peut-être que j'aurais pu en mettre un peu plus. Non, ça va. Par contre, peut-être j'aurais dû coller avec de la mousse 3D ici, vu il y a la petite épaisseur du shaker. Ouais, si, c'est bien ça. Je dis à chaque fois, je vais nettoyer mes ciseaux, je l'ai à peine fait. Là, il faut que je passe avec de l'eau écarlate. Ça enlève bien les. Ou de l'acétone. Ça enlève bien les traces de colle. Des fois, je veux prendre ça et j'utilise ça. Des fois, je veux utiliser ça et je prends ça. C'est n'importe quoi, des fois. Hop. Promenade. Allez, un tout petit. Là, il y a un tout petit trait noir. Je vais essayer de l'enlever. Voilà. Yes. Ouais, c'est pas mal. Bon, promenade, pourquoi un bocal pour promenade? Bon, hein. Ne me demandez pas. C'est comme ça. Alors, cherchez pas de création d'Halloween. Hein. Moi, j'aime pas trop en fait Halloween. J'aime bien les citrouilles, des trucs comme ça, mais ça, c'est automne. Voilà, mais Halloween, Halloween, vous verrez pas de créer Halloween chez moi. J'en ai fait, j'avoue, j'en ai fait il y a quelques temps. Mais, je suis pas fan. Hein. Les squelettes, les cercueils.
le sang, les vampires. Bon, des fois, il y a des petites chauves-souris, des petits monstres un peu mignons, petites sorcières et tout ça, mais ça m'inspire pas, mais alors pas du tout, donc bon, hein, on va pas se forcer. Ah, vous voyez, le nœud, s'il est pas... faut bien laisser sécher, parce qu'il a bougé. Hop, là, l'ouverture, elle est bien par ici. Voilà. Nickel. Ben, moi, j'aime bien. Peut-être couper un peu ça quand même. Hop, j'avais mon doigt. Allez. Oh, il y a des ciseaux qui coupent comme je ne dirais pas quoi. Vous avez deviné. Voilà. Bah écoutez, je voyais pas le résultat comme ça. Parce que déjà à la base, j'avais pas pensé au nœud. Mais ça me plaît quand même. Voilà. Des fois on part avec une idée et puis on sait pas trop où on va atterrir. Mais c'est pas mal moi je trouve. On peut décliner ça sous plein de trucs. Et ouais c'est pas mal. Et j'ai pensé à un truc, alors je sais pas ceux qui font de la fimo. Et moi j'aimerais du matériel de fimo il me semble. Et j'avais des petites cannes, vous savez on appelait ça les cannes. Des cannes, des bâtons avec... ça fait un bâton. Tout petit et ça fait des petits motifs et on coupe des tranches, vous voyez, comme en fimo quand on fait des mini tartes ou des machins comme ça. Et ben, par exemple, il y a des mini tranches de banane, mini tranches de pommes, mini tranches de ceci, de cela. Et ben, on pourrait utiliser des petites tranches de canne fimo là pour mettre dedans aussi. Hein. Voilà, en faire un avec de la neige et tout. Bon, le problème c'est que ça colle sur les côtés, ça me. Ouais, j'ai dû mettre un... Ça a dû déborder la colle. Ouais, ça a dû déborder un peu. Mais je pense que j'aurais pu mettre un peu plus de sequins. Ouais. Parce que quand c'est debout, il n'y en a pas tant que ça. Mais bon, ça passe. Hein. Ça passe, ça passe. Bah, je suis très très contente d'avoir acheté cette perfo de chez Stampin' Up. Voilà. Donc du coup, je vais la refermer. Hop, et je vais mettre mon petit paquet parce qu'il est tout petit le paquet de capsules là. Je sais pas si ça s'appelle vraiment des capsules, moi j'appelle ça des capsules. C'est des dômes Maison Jar Dôme. Voilà, il y en a plein hein. Je pouvais pouvoir vous faire d'autres tutos, mais comme tout hein, les trucs un peu chers et tout, bah en général on essaye de les économiser, on va dire, les utiliser tranquillou. Hein. Voilà, bon allez, je vais vous laisser. Je vous fais des bisous. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Voilà, un petit tuto d'automne. Et puis voilà. Allez, bonne création à tous et je vous souhaite une bonne journée. Bisous.